Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le chapitre 9 à la page 46. Dans l'air ou dans l'eau, comment respire-t-il? Observons tout d'abord le dessin ludique. D'après vous, de quoi les animaux ont-ils besoin pour vivre? Les animaux ont besoin d'air. Mais attention, des animaux comme les poissons respirent dans l'eau. D'autres, comme le chat ou le lézard, respirent dans l'air. Savez-vous pourquoi? Afin de le savoir, passons ensemble au dessin du document 1. Nous savons déjà que le chat est un mammifère, le lézard est un reptile. Tous les deux vivent sur Terre. Quant à l'oiseau, il vit dans l'air. Le chat, l'oiseau, et le lézard respire l'air grâce à leurs poumons, alors que le poisson respire grâce à ses branchies dans l'eau. Attention les enfants! Est-ce que tous les animaux qui vivent dans l'eau ont des branchies? Eh bien non! Par exemple, les dauphins et les baleines vivent dans l'eau, mais ils n'ont pas de branchies parce que ce sont des mammifères qui respirent l'air à la surface de l'eau grâce à leurs poumons. Comme l'homme est un mammifère, il respire grâce à ses poumons, qui se gonflent d'air lors de l'inspiration et se dégonflent lors de l'expiration. D'où l'air entre-t-il? L'air pénètre par la bouche ou le nez. Relions maintenant les groupes de mots pour savoir comment respire chacun des animaux suivants. Le poisson respire dans l'eau, donc il respire grâce à ses branchies. Le chat respire dans l'air. Alors, il respire grâce à ses poumons. L'oiseau respire dans l'air, donc il respire grâce à ses poumons. Le lézard respire dans l'air, alors il respire lui aussi grâce à ses poumons. Poumons ou branchies. À votre tour maintenant de classer les animaux de l'image du document 2, page 47, selon deux catégories. Respire par des branchies, respire par des poumons. Le canard respire par des poumons. Les poissons respirent par des branchies. Les moutons, l'oiseau, la chèvre et le serpent respire par des poumons. Complétons ensemble la synthèse de la leçon. Les poissons respirent dans l'eau grâce à leurs branchies. Les reptiles, les oiseaux et les mammifères respirent dans l'air grâce à leurs poumons. Dans la partie « Je m'entraîne », on va voir comment les baleines retiennent-elles leur souffle. Avant d'aller sous l'eau, tu inspires et tu retiens ton souffle. Comme toi, les baleines, qui sont des mammifères, retiennent leur souffle sous l'eau. De retour à la surface, elles expirent et reprennent une grande bouffée d'air. Leur souffle prend la forme d'un nuage visible de très loin. Autrefois, les marins croyaient qu'elles crachaient de l'eau par un trou sur la tête. Maintenant, tu connais leur secret. Elles ne crachent pas, elles respirent. Les baleines respirent-elles dans l'air ou dans l'eau? Les baleines respirent dans l'air. Souligne ce qui le montre. De retour à la surface, elles expirent et reprennent une grande bouffée d'air.
Ont-elles des poumons ou des branchies? Sont-elles donc des poissons? Attention! Comme les baleines respirent dans l'air, alors elles n'ont pas de branchies. Elles ont des poumons. Donc les baleines ne sont pas des poissons. Les baleines sont des mammifères. À ne pas confondre les enfants. Le requin est un poisson puisqu'il a le corps recouvert d'écailles. Il respire donc grâce à ses branchies. Au revoir. Je vous souhaite de très bonnes vacances.